Mauritian Creole, the lingua franca and de Franco language of Mauritius. 1721, French colonization ends after 6 years as the British starts ruling Mauritius. It traces origin from West African, East African and Madagascar. Mauritian Creole is a French-based Creole language that comes from slaves imported mainly from Bourbon Island, French colonized country. Miscommunication problems between masters and the slaves were due to language barrier, and it has led to formation of Creole. Chardemos, 12 March 1968. Thousands of people gathered to witness raising of Mauritius quadricolor for the first time. As Mauritians started to get their independent footprint, British and French remained the main spoken language on the island. Not until 1977, the Creole pioneer Elie Michel made his entrance in the government parties as municipal council or bringing forward a motion to allow the expression of Creole language in the official instances. Year 2000 at 7 p.m. Mauritians are waiting impatiently for the national TV, the Mauritius Broadcasting Corporation, to launch a first new course in Creole. Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi 24 octobre, nous débattons de ce qui fait l'actualité. To show the acceptance of Creole language in Mauritius, first we will go through the siga music. The siga is usually sung in Creole, mother tongue of Mauritians. Siga was for long looked down upon because it was the music of slaves. Since the language was lost, a particular big turning point was Tifrère Jean-Alphonse Ravato. Due to this, it is now considered the national music of Mauritius and is not restricted nor disregarded by any ethnicity. Je suis Sandra Mayotte, actuellement membre de l'Assemblée nationale de la République de Maurice. Mais avant d'entamer une carrière politique, j'ai exercé pendant de nombreuses années comme animatrice à la radio, présentatrice à la télévision nationale et profession et passion artiste. Alors, qu'est-ce que je pense de la langue créole? Mon propre musée créole. Si mon langue qui dit la langue créole, c'est un dominant. C'est une langue matérielle, c'est la langue que fait maman, les enfants de maman, parce que l'enfant de maman nous tendait. Et ce qui nous causait, c'est la langue créole, c'est la première langue qui nous fait maman, avant que nous commençons à dire maman, papa. Je suis peut-être ça va se réveiller avec l'enfant de maman. Et je crois qu'il y a des jolies façons d'exprimer dans la langue matérielle, la langue qui tout dit le courant, 99% mauriciens causent et comprennent la langue créole. We are now with something quite new in Mauritius, where a course of Creole language is implied at the University of Mauritius, as it is now recognized as a language just like other ones, may it be French, English or Spanish. Every Mauritian knows the group Comico, who performs in Creole, but nowadays we can see with the new generations of comedians, like who performs more and more in Creole. Vincent Duverger, producteur et humoriste à temps partiel. Vincent, vous avez le robot rouge là? Si tu brillais, vous êtes échoué, hein? C'est un joke, Grégoire, avec du monde! Fuck! Je pense que les Mauriciens ont accepté cette langue parce que on parle cette langue depuis le plus jeune âge. Qu'on soit allé à n'importe quelle école, il y a des écoles où on va parler créole peut-être un peu différemment, c'est pas. Mais on parle le créole depuis le plus jeune âge. Maintenant, ceux qui disent que le créole peut être vulgaire, c'est ceux qui ont probablement, très probablement mal utilisé le créole. C'est sûr qu'il y a une différence quand je dis « Eh bonjour, qui manière ?» et où j'ai dit « Eh, cave man, correct là, ouais !» Mais c'est différent. Mais c'est, ça reste en créole, mais si tu l'utilises pas bien, forcément, ça va être vulgaire. C'est comme toutes les langues. Donc, je pense pas... Je pense que les Mauriciens, bien sûr, on a accepté le créole, mais on a encore du travail à faire. Ça aurait été sympa, par exemple, de voir le créole au Parlement comme étant une langue utilisée au Parlement. Ça aurait été sympa de voir, je sais qu'ils ont déjà introduit des classes de créole à l'école, ce qui est génial, ça aurait été sympa de pouvoir expander ce programme éducatif-là.
Y a l'orthographe aussi du créole, qui, avec les dictionnaires créoles. Il y a des trucs encore qu'on ne sait pas comment écrire en créole. Nous, N-O-U, nous, N-U, on ne sait pas, il y a toujours un débat. Donc ça aurait été sympa de continuer à travailler dedans. Voilà. In conclusion to that, people now feel free to express themselves in Creole and are proud of it.